C'est difficile hein, comme question. L'homme. L'homme. C'est très large. L'homme blanc développé, égoïste et qui ne veut pas partager. Quand je dis l'homme, c'est une humanité qui déjà aujourd'hui, à moins d'un quart, est en train d'exploser et puis d'exploiter aussi l'intégralité pratiquement de la biomasse qui génère tous les déchets et les pollutions qu'on connaît. Et qui ne veut pas accepter le fait que son empreinte écologique est insoutenable pour la planète. C'est vraiment l'homme riche blanc, quoi. C'est ça le problème sur la Terre. Mais je pense qu'ils sont tous liés. Il n'y a pas le fléau. En fait, le fléau, c'est qu'il n'y a pas qu'un fléau. Il y a un fléau écologique, c'est les fausses bonnes idées. Trop de biens de consommation produits, trop de produits n'importe comment. La financiarisation de tout qui oblige à toujours penser plus productif, plus produit plus vite, à bas coût, et donc avec des impacts sociaux et des impacts environnementaux forts. Par exemple, penser que le plastique à base de maïs ou de matériaux renouvelables, ça serait une bonne chose. C'est sûr que le matériau renouvelable, c'est mieux qu'un matériau fossile, comme le pétrole, mais en même temps, on est en train de faire plein de produits en plastique, en agroplastique, qu'on n'appellera pas bioplastique, mais agroplastique, en disant que c'est compostable, etc. Le problème, c'est que ça n'est compostable que dans des installations industrielles spécialisées qui n'existent pas en France aujourd'hui, par exemple, donc c'est une fausse bonne idée. Acheter un vêtement, vous savez d'où il vient, vous n'ayez pas forcément 200 000, faites vos choix par rapport à ça, quoi, et tout va découler de ça. Il y a une fausse bonne idée qui est que le bio apporté de loin, même par avion, etc., ça va être mieux que du local non bio, problème des kilomètres alimentaires, là encore c'est pas forcément évident. Les Chinois qui troquent le vélo pour 4x4, hein. Donc c'est d'un coup le passage à nos modes de vie de personnes qui en avaient un beaucoup moins polluant. Après je pourrais dire oui, il y a les OGM, il y a plein de trucs, mais tout ça c'est lié à des questions de rentabilité, tu vois, de combien on a besoin de produire, s'il y a besoin de moins produire, il y aura moins besoin d'OGM. Tout ce qui est technologique a pas d'impact environnemental, donc internet, etc. C'est super cool de lire en ligne des journaux sur internet, or lire un journal sur internet, je crois au bout de 10 minutes ça a autant d'impact sur l'environnement que l'avoir lu en version papier. Il y a un vrai pouvoir au consommateur, il faut vraiment qu'il s'émancipe et qu'il le prenne ce pouvoir. L'homme qui confond désir et besoin. Et le désir, c'est une quête effrénée, alors que le besoin, à un moment donné, c'est peut-être quelque chose qu'il faut tout simplement réguler.